Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Ghost, all we need is you. Thank you, Lord, for today. Holy Ghost, Holy Ghost, all we need is you. Holy Ghost, all we need is you. Holy, Holy, Holy Ghost, all we need is you. Holy, Holy, Holy Ghost, all we need is you. Holy, Holy, Holy Ghost, all we need is you. Holy, Holy, Holy Ghost, all we need is you. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je reconnais, je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas dans ma misère, dans ma condition, non, non. Emmène-moi en eau profonde. Saint-Esprit, j'ai besoin. Ne me laisse pas où je suis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Emmène-moi dans tes profondeurs, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Emmène-moi, Seigneur, dans tes hauteurs, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Emmène-moi à te connaître. Emmène-moi t'expérimenter, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Emmène-moi glorifier Jésus, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Emplis-moi de ton amour, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens oindre d'esprit saint de puissance, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te reconnais comme ma différence, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es ma distinction, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas où je suis, j'ai besoin de toi. Viens m'embraser, m'envelopper, Saint-Esprit, j'ai besoin de viens me consumer, me guérir, Saint-Esprit, j'ai besoin. Viens m'embraser, viens me transporter, Saint-Esprit, j'ai besoin. Délivre-moi des zones de confort, Saint-Esprit, j'ai besoin. Emmène-moi au cœur de ma destinée, Saint-Esprit, j'ai besoin. Emmène-moi au cœur de ta volonté, Saint-Esprit, j'ai besoin. Ne me laisse pas dans cette misère, ne me laisse pas à ce niveau, Saint-Esprit, j'ai besoin. Allons révéler Jésus-Christ. Allons démontrer Jésus-Christ, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Établis-moi comme témoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas à ce niveau, non, 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 non. Ne me laisse pas dans ma condition. Ne me laisse pas dans cette misère. Il y a mieux que ça. Il y a plus grand que ça. Il y a une destinée glorieuse.
C'est pour cela que tu es venu, pour manifester cette lumière, manifester cette destinée, manifester cette utilité sur la terre. Oh, rendre visible Dieu sur la terre. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es venu pour rendre manifeste la gloire de Dieu. Oh, je t'en prie pour nous. Je te supplie pour l'église de notre génération. Ne nous laisse pas à la dimension où nous sommes, au niveau où nous sommes. Ne nous laisse pas, nous t'implorons. Emmène-nous, délivre-nous de nos zones de confort. Délivre-nous de là où nous sommes et propulse-nous, catapulte-nous à la dimension de ton plaisir, à la dimension pour laquelle le sang de Jésus a été versé pour nous, à la dimension de l'éclat, de la beauté, de la splendeur, à la dimension d'une vie qui fait envie, des vies de témoignage, des vies de témoins, Saint-Esprit. Oh cher, oh paraclet. Saint-Esprit glorieux, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas où je suis, non. Alors viens remplir ma coupe, viens me déborder, viens m'irradier, viens m'embrasser, viens me consumer, viens remplir encore ma coupe aujourd'hui, viens remplir encore ma coupe pour cette semaine. Merci Père pour ce premier jour de la semaine que nous commençons avec toi le dimanche. Mais maintenant, il ne s'agit pas que de commencer, il s'agit de continuer et il s'agit de finir avec toi. Oh, en apothéose, pas dans l'embarras, pas dans la confusion, pas dans la défaite, non. Je t'en supplie, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, ne vient pas pour que je reste dans la défaite. Oh non. Il ne vient pas pour que je subisse. Il vient pour rétablir la domination de Christ. Voilà pourquoi on t'appelle le règne de Dieu. Alors viens, assois ce règne de Dieu à l'intérieur de moi, Saint-Esprit. De moi et de ma maison, que nous te servions, que nous te révélions, ô Christ, nous t'implorons. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Viens nous parler, viens nous instruire, viens nous construire, viens nous émonder, viens nous tailler, viens nous aiguiser, viens nous perfectionner, viens nous sortir de là où nous sommes et nous emmener là où tu nous désires. Oh, nous t'implorons, étends ta main et qu'il s'opère des miracles, des prodiges, des signes par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Viens glorifier Jésus, viens mettre les caméras sur Jésus. Viens attester de ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de ce que Jésus-Christ n'est pas l'auteur d'une religion, il est la source de la vie éternelle. Saint-Esprit, viens attester cela dans le cœur d'une personne, dans le corps d'une personne qui est malade, dans le cœur d'une personne qui est meurtrie. Viens établir ton règne, viens régner par la guérison, la vitalité, la force, la vigueur. Viens détruire les jougs et ôter les fardeaux. Viens faire toutes choses à merveille. Viens glorifier Jésus. Oh, le diable a été trop visible par ses cancers, ses diabètes, ses grosseurs, ses rondeurs. Saint-Esprit, nous te prions. Viens rendre Jésus visible et viens disparaître. Viens faire disparaître les œuvres du diable dans la vie de ton peuple et rendre visibles les œuvres de Christ. Viens faire disparaître ce que tu n'as pas planté, ce qui cause des afflictions, des tourments, des douleurs, ce qui cause, Seigneur, l'affliction des rachetés, l'affliction de ceux qui espèrent en toi. Il y a des gens ici qui ont besoin de toi, connectés au son de ma voix. Ils ont besoin de Dieu. La religion n'a rien pu faire pour eux. La médecine n'a rien pu faire pour eux. Nous prions, Père, que par ton esprit, tu interviens dans les affaires des hommes. Viens mettre ta main, nous te prions. Arrêtez-toi, Sakabara, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. De toi. Oh God, we need you. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Et en fait, nous ne voulons rien. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, je ne pourrai pas. Il ne pourra pas venir. Alors s'il te plaît,
Ne nous laisse rien naître ni faire sans toi. Nous reconnaissons notre dépendance totale de toi. Et s'il te plaît, parle-nous, construis-nous, abreuve-nous, délivre-nous, ramène-nous, redresse-nous. Sors-nous de cette vie où nous sommes. Il y a quelqu'un qui est comme moi ce matin, qui te rend grâce, c'est vrai, mais qui n'est pas satisfait de là où il est, de la vie qu'il vit, parce qu'il sait que ce n'est pas la vie que tu as réservée. Alors délivre-nous de cette vie d'aujourd'hui et emmène-nous à la vie que toi, tu as réservée pour nous. Oh, nous t'implorons, fais-le infiniment, abondamment, Père, au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons, par la puissance de ton esprit qui agit en nous, au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Ah, ah, ah. Alléluia. Seigneur, merci d'entendre la voix de nos supplications. Et merci de répondre au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen s'il est là. Bienvenue à Pax Centre Chrétien, bienvenue à toute cette grande famille que nous sommes, mais on va continuer de grandir encore, on n'est pas encore assez nombreux. On va continuer de s'étendre sur tous les continents et la France sera sauvée et l'Europe sera sauvée parce que Dieu n'a pas encore. Dieu a donné des, il a donné des aperçus de lui. Il a donné des aperçus, tu vois, non, hein, mais il n'a pas encore atterri. Mais il va atterrir. Et quand il va atterrir, je t'assure, les nations viendront massivement à lui. Parce qu'on le verra, il ne restera plus caché. Il en a assez de voir le diable être visible. Le diable est visible par ses œuvres. On ne voit pas le vent, mais on voit ses effets. On ne voit pas Dieu, mais on voit ses manifestations. Pour l'instant, il y a trop de manifestations du diable. Il y a trop de morts prématurées. Il y a trop de tumeurs, de cancers. Il y a trop d'afflictions, de tourments. Dieu a dit, il y en a assez. Satan se manifeste par les œuvres des esprits méchants. Dieu aussi va se manifester comme jamais auparavant. On va le voir dans mon époque, on va le voir dans ma génération. We thank you, Lord. Lord, we thank you. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs et que tout soit agréable au nom de Jésus. Amen. Alors avant de vous inviter à vous asseoir, oui, on peut encore acclamer le Seigneur, merci. Avant de vous inviter à vous asseoir, je voudrais vous rappeler deux choses. La première, c'est que vendredi prochain, non? Nous avons la veillée de rentrée. La veillée des familles, des parents, des enfants, des célibataires, des étudiants. Ce vendredi-là. C'est de quelle heure à quelle heure? 20h à 20h à minuit, donc c'est une mini-veille. Mais en fait, c'est une veille. On va prier pendant 4 heures. Ah, on va prier pendant 4 heures. On va prier pendant 4 heures. Alors, je te supplie de ne pas rater ça. On fait ça parce que comme il y a des travaux en Île-de-France, donc on ne va pas faire toute la nuit, mais on va prier de minuit à 4 heures. On va prier dans l'auditorium. Qu'est-ce que j'ai dit? Miséricorde. C'est pour ça que tu suivais. On va prier de 20h à minuit. Il faut prier. Mon soupir pour toi, c'est que tu deviennes une personne trempée dans la présence de Dieu. C'est là que je vais t'emmener. Je te fais une promesse. 30 minutes d'exposition au soleil, c'est pas 4, ça n'a pas le même poids que 4 heures d'exposition au soleil. L'irradiation sur ton corps n'a pas le même impact. Mon mandat, c'est de t'emmener, Église francophone, à être une personne de la présence de Dieu. Et par sa grâce, on va y arriver. On va apprendre à prier, à se tenir des heures dans la présence de Dieu. Rata preketo sakapara. Donc, vendredi, amène les enfants, les adolescents, tous ceux qui sont à l'école. On doit prier et Dieu va parler, prophétiser et il va charger ton peuple. Dieu travaille toujours en envoyant sa parole et il va envoyer sa parole. Amen. Et la deuxième annonce importante que je voulais vous passer, c'est que la semaine d'après, donc c'est la semaine du vendredi 8 au samedi 10, nous avons un programme spécial
important. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent prendre soin des autres. C'est le camp des disciples. Donc ici, le vendredi soir et le samedi, toute la journée, ça sera le camp des disciples. Ceux qui veulent devenir des faiseurs de disciples. Ceux qui veulent devenir des faiseurs de disciples. Ceux qui ont compris le mandat suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui en ont assez d'être stériles et de ne pas porter du fruit. Ceux qui veulent devenir des agents de transformation. Il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour les gens. Tu te comprends? Tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est magnifique de donner ta vie pour les gens. C'est magnifique. Et ceux qui veulent être des faiseurs de disciples, ce sont ceux qui donnent leur vie. Ce sont des plateformes. Ils deviennent des canaux de distribution. Et Dieu m'a dit, le plus petit sera un millier. Et on va te parler de comment c'est possible. Comment c'est possible d'enfanter des milliers de personnes à travers toi. Le minimum, ce sera un millier. Quand tu penses à toi, quand tu vas au ciel, Dieu va te faire sortir, Dieu va te donner une récompense parce que au moins 1000 personnes vont dire, c'est à travers lui que j'ai été affermi et je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Et tu ne perdras pas ta couronne, tu ne perdras pas ta récompense au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne amen. Donc, ça sera le camp des disciples et il sera conduit par les plus aguerris des faiseurs de disciples à ICC, des gens que le pasteur Ivan a formé et qui sont aujourd'hui des modèles dans le domaine du discipulat. Donc je prends la dream team des faiseurs de disciples à ICC et c'est eux qui vont piloter cette veillée de prière. Je te supplie de ne pas rater ça. Vraiment, je te supplie. C'est le camp des disciples. Je t'annonce qu'on change de saison. Oh, tu comprendras plus tard. Dis seulement amen et tu comprendras plus tard. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Merci encore d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs afin que tout te soit agréable au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Acclamons encore Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Comme je sais que maintenant tu n'es pas égoïste mais que tu veux partager la parole et que tu veux que tout le monde entende ce que tu entends et tout le monde soit nourri comme tu es nourri, alors tu prends ton téléphone pendant 30 secondes et tu peux liker là tout de suite, là oui, tu peux liker toi qui es connecté au seul endroit, tu peux juste te mettre pouce debout, ça encourage les gens à se connecter. C'est ce qu'on m'a dit de faire et j'ai réalisé que c'est très pratique en fait. Donc ça envoie un message, ça montre que la parole que tu es en train de manger te fait du bien, elle te construit et elle va inviter. Et également, pense aussi à partager le lien sur tes statuts pendant que tu es connecté au son de ma voix. Alléluia. Seigneur, merci pour notre obéissance, pour ceux qui valorisent, Seigneur, ce genre d'instruction et qui, en valorisant cette instruction, sont en train de permettre à d'autres de recevoir la même vie qu'ils sont en train de recevoir. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, allez-y, c'est bon, prenez le temps, c'est bon, c'est spirituel. C'est spirituel. Gloire à Jésus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Si tu as fini, acclame Jésus, acclame Jésus. L'abondance d'acclamation est la seule chose qui ne nuit pas à ta santé. Tant que tu acclames pour Jésus, c'est bien. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, j'ai reçu l'instruction, j'ai un fardeau ce matin. Et mon fardeau, c'est de t'interpeller, de t'étirer, je crois que tu as déjà les yeux ouverts, mais c'est de te rendre un peu plus conscient et de te donner aussi envie. Envie de quoi? Envie de payer le prix. Envie de payer le prix. Vous savez, il y a en plusieurs d'entre nous une espèce de contradiction. Dis avec moi contradiction. Il y a en plusieurs, pas en tout le monde, parce qu'il y en a, ils ne sont plus dans cette contradiction. Parce qu'ils ont fini avec cette contradiction. Mais en plusieurs d'entre nous, il y a une espèce de contradiction. Il y a au-dedans de quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, le désir de vivre une vie qui démontre Dieu sur la terre. Ok, je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait le désir de vivre une vie qui démontre Dieu, qui révèle Dieu. Pas qui parle de Dieu, mais qui démontre Dieu, qui opère dans la dimension de ce que ma Bible appelle la démonstration d'Esprit Saint,
et de puissance. Une vie où on ne subit plus, où on écrase la puissance des ténèbres du diable. Une vie où on ne subit plus la tyrannie du péché, oui, mais une vie où on en a assez de constater que le diable est en train de détruire les gens, mais on devient un indigné et une solution par laquelle Dieu arrête les bras des méchants, Dieu arrête les bras du diable et lui dit « Dégage, laisse cet homme, laisse-la partir ». Une vie où tu deviens un rempart contre les œuvres des ténèbres, un intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui te met au milieu entre les familles, entre le territoire et toi. Et quand le diable voit toi, il dit, les gars, reculez. C'est la vie des témoins. C'est pas la vie des chrétiens et des religieux. C'est la vie des témoins. Les témoins, ce sont ceux qui rendent Jésus-Christ visible. Ma Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand les démons le voyaient, les démons entraient automatiquement en négociation en disant « Qui es-tu ? Qui es-tu pour nous tourmenter ? Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. On sait qui tu es. Tu es le Christ. Laisse-nous, ne nous tourmente pas. » C'est-à-dire que je n'ai même pas parlé que les gars disent déjà « Ne nous tourmente pas. » Tellement ils avaient peur d'être tabassés par Jésus. Seigneur, amène quelqu'un à cette dimension. À l'intérieur de plusieurs d'entre nous, il y a ce désir de vivre cette vie où je suis rempli de paix, d'amour. Je marche dans la domination. Il n'y a pas un cauchemar, il n'y a pas un esprit mauvais, il n'y a pas un diable, il n'y a pas une réclamation satanique, il n'y a pas une sorcellerie il n'y a pas une flèche de jour ou une terreur de la nuit qui va oser me terroriser. Comment tu fais pour venir perturber mon sommeil? C'était ton dernier jour de tentative d'intrusion dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Une dimension où sans t'agiter, sans parler, sans crier, sans rien, sans bougie, sans chapelet, sans rien, juste avec la parole qui sort de ta bouche, tu dégages une telle présence que quand tu dis à un esprit méchant, aujourd'hui tu vas dégager, l'esprit méchant sait que c'est fini, il va dégager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à ce que je suis en train de décrire? Il y en a assez. Tu n'as pas juste envie de prier, rassure-moi. Tu n'as pas juste envie d'aller à l'église, rassure-moi. Tu as envie de vivre Christ. Tu as envie de démontrer Christ. Tu as envie d'attester à ta génération que Jésus est vivant. Mais comment sauront-ils qu'il est vivant s'ils ne le voient pas à travers moi? Il faut qu'ils sachent qu'il guérit. Il faut qu'on voit le Dieu qui guérit. Seigneur, il faut qu'ils sachent que les chirurgiens de ce monde n'ont pas plus compassion des malades que le divin chirurgien. Il faut qu'ils sachent que le divin chirurgien n'est pas indifférent à ce cancer, à cette maladie, à cette affliction, à cette oppression, à ce tourment. Mais comment le sauront-ils, Seigneur, si personne ne va prier pour les malades? Seigneur, sers-toi de moi. Ne laisse pas ces malades croire que le divin chirurgien, celui qui a opéré la première chirurgie à travers Adam en sortant Ève de la corde de Adam sans anesthésie, sans effet secondaire. Ah, ma père, il faut qu'ils sachent que tu n'es pas indifférent à leur souffrance. Il faut qu'ils sachent que tu as compassion, mais que ta compassion te pousse à l'action, à étendre ta main et à guérir. Mais Dieu cherche des canaux, Dieu cherche des vases à travers lesquels il peut manifester cette compassion. Et il ne le fait pas à travers tout le monde. Il veut le faire à travers tout le monde. Mais il ne le fait pas à travers tout le monde. Alors moi, je ne sais pas pour toi. Adolescent, enfant, jeune adulte, parent, vieillard. Je ne sais pas pour toi. Mais il y a quelqu'un ici qui, quel que soit son âge, dit « Moi, je veux être utile. » À 80 ans, Josué, à 80 ans, Caleb était rempli de vigueur. Je refuse de mourir vieux. Non, fatigué, non. J'ai encore assez de force pour détruire les œuvres du diable.
J'ai encore un train de force pour être un cauchemar pour la sorcellerie. J'ai encore assez de vigueur pour que mon nom, quand on mentionne mon nom, ne dis pas seulement Jésus, c'est faux. Les démons ont dit Jésus, on connaît, mais ils ont aussi mentionné Paul. Paul aussi, on connaît. Père, qu'on connaisse quelqu'un ici au nom de Jésus. Ah. Ils doivent dire on connaît. J'ai écouté l'archevêque de Nassari à Brazzaville. Tu sais, avant de faire le ministère, il dit Satan, tu me connais. Mais oui, il y a des gens que le diable connaît. Bon, mais comme la modestie est là de faire dire pardon tout le bien que l'on pense de soi-même, je ne te dirai pas ce qu'il en est de moi. Mais demande à tes parents dans la sorcellerie là-bas. Demande-leur. Mato Bradé, c'est Kabara. Tu me connais, tu vas m'encaisser et tu vas encaisser tous les membres de la famille ICC Worldwide au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parlais, donne un amen de vibrant. Amène-nous à la dimension où les cancers savent que quand c'est lui qui arrive, on va disparaître de ce corps. Amène-nous à la dimension où les diabètes savent que quand c'est lui qui va parler, on va devoir évacuer les amis. Il y a des voix quand ils arrivent, les œuvres du diable savent que, ok les gars, préparez les bagages, préparez les affaires. Chou, 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 arriba, arriba. Pourquoi? Le feu va venir et il ne restera plus que la cendre. Alors, comme ils n'ont pas envie d'être réduits en cendre, leur intérêt c'est de quitter. Qu'il la dégage de ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Donc, il y a, peut-être pas en toi, mais en quelqu'un à côté de toi. Je t'assure qu'ils sont nombreux, les jeunes que tu vois là. Ils ont 16 ans, 14 ans, 18 ans. Hier, ils étaient dans les luttes contre la débauche, l'impudicité, les gangs, la violence. Mais il y a une armée de jeunes ici, là. Des ados, des jeunes adultes. Je t'assure qu'à ICC, là, Dieu est en train de lever une génération de jeunes. Oh, il est écrit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il y a une génération de jeunes gens connectés au son de ma voix qui ne seront plus connus à 14 ans, 16 ans pour subir la débauche, l'impudicité. Mais ils vont te massacrer les serpents, te massacrer l'esprit des eaux, te massacrer la sirène des... Ah, qui est-ce que je parle? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. Il y a des jeunes gens qui sont en train de faire demeurer la parole de Dieu à l'intérieur d'eux. Et qui ont vaincu le mal. Le diable les connaît. Il a connu David à 17 ans. Joseph avait 17 ans. David avait 17 ans. Toi, à 17 ans, tu n'es pas trop jeune. Le diable te connaîtra. L'enfer connaîtra ton nom. Ton école, les domination, les autorités sataniques qui contrôlaient ton lycée, ton université vont connaître ton nom. Quand tu arrives, ils vont dire, oh là là, les gars, préparez les affaires, évacuation, évacuation, évacuation. C'est à toi que je parle d'un amen. Mais c'est la vie à laquelle tu aspires. Jésus n'est pas venu emmener une religion. Je disais à un musulman la dernière fois, mon frère, écoute-moi, tu connais Satan? Oui. Satan a-t-il amené une religion sur la terre? Non. Mais si Satan n'a pas amené une religion, Satan a amené un règne invisible. On appelle le règne des ténèbres. Il a amené une nature qu'on appelle le péché. Il a amené une forme de vie qu'on appelle la mort. Il a amené une manière de penser qu'on appelle le monde. Mais si le diable n'a pas amené une religion, ma Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi veux-tu que Jésus-Christ amène une religion là où Satan n'a pas amené de religion? Voilà pourquoi toutes les religions s'humilient, se prosternent devant le diable et ses œuvres. Mais Jésus-Christ, non, il est le seul à avoir vaincu le diable, le serpent ancien, le grand dragon appelé Satan. Jésus-Christ est
les chrétiens sont les seuls à pouvoir parler du diable avec mépris de sa personne, et ils savent qu'il ne leur arrivera rien du tout. Ce sont les seuls, les rachetés nés de nouveau, à pouvoir dire du diable qu'il est sous ma chaussure, je lui écrase la tête et on le cherchera. On ne le trouvera plus. Et quand il parle comme ça, il ne leur arrivera rien. Ah, capable de ce qui para. Matera tout sa pratique, sa pratique. Ce sont les seuls à pouvoir parler aux esprits de sorcellerie, aux occultistes de tout bord. Et leur dire, vous êtes des lâches et des trouillards. Messieurs les occultistes, permettez-moi, je m'appelle Ivan Castelnau, je vous dis publiquement, vous êtes des trouillards, vous êtes des lâches, vous êtes des faibles. Pourquoi? Parce que vous, tout ce que vous avez fait, c'est d'offrir les gens au sacrifice. Prendre les vies des gens et puis les offrir à travers vos autels sataniques et diaboliques. Bande de lâches. Si vous étiez courageux, vous n'allez pas offrir les gens, vous allez vous offrir vous-même en sacrifice. Arrêtez d'offrir les gens en sacrifice, allez vous offrir vous-même. Bande de lâches. J'ai dit comme dit Marcelo, lâche. Bande de peureux. Mais mets la caméra sinon, mets la caméra. J'ai dit lâche. Oui, et quand on parle comme ça, j'ai dit lâche en public, j'ai dit lâche. J'ai dit ça à Madagascar. Et quand j'ai dit ça à Madagascar, il y a une amie qui m'a dit, Ivan, t'as pas dit ça quand même, t'as pas dit ça. J'ai dit si, elle dit oh là là. J'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, rendez-vous la nuit, je vais dormir. Rendez-vous la nuit, mais si on se voit la nuit, préparez vos testaments. Je ne crains rien. Ma débracou, c'est pas Palatisea, Bilaka Prada. Préparez. Le caprates y capara. Et catamara. Oh! Mandi bratus a caparata. On se voit la nuit. La question que les gens sont posées, c'est est-ce qu'il va se lever demain matin? Et s'il se lève, est-ce qu'il va se lever avec des flèches, avec des coups qu'il aura reçus, ou est-ce qu'il va se lever intact? Le lendemain, je me suis levé intact dans la présence de Dieu. Ma débrato se capara. Et on m'a dit, tu sais, Madagascar est plongé dans les ténèbres. Moi, je suis la lumière du monde. Donne amen. Comment ça? C'est ce genre de personne que tu as envie d'être. Et tu ne dis pas ça parce que tu tentes Dieu. Tu dis ça en public parce qu'il y en a qui ont trop peur de la sorcellerie. Ils ont peur des envoûtements. Ils ont peur. Ils ont tous peur. Et quand ils disent comme ça, on les tabasse la nuit. Il y a des gens qu'on ne touche pas la nuit. Essaie de faire un tour. Ça sera ton dernier tour. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Même si tu essaies de venir à ma maison, rien qu'en t'approchant, tu n'approches pas la maison blanche comme ça. Tu vois, non? Dès que tu approches, il y a un système d'armement depuis la maison blanche, depuis la toiture. Dès qu'un appareil non identifié, non agréé, approche le périmètre. Il n'est même pas, il arrive même pas sur le toit. Dès qu'il approche le périmètre, tu as des regards, regarde, tu as des systèmes de missiles. C'est identifié, verrouillé. Pio, 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 pio. Ça c'est ma maison. Ça c'est ma maison. Ça c'est ma maison. Je dis ça. C'est ta maison. Comment ça? Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent et il les arrache à tout danger. Comment tu fais ça? Il y a des gens qui doivent dire à la sorcellerie, votre pouvoir, c'est un faux pouvoir. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie puissance. C'est la puissance de résurrection qui a sorti le corps inanimé de Jésus d'entre les morts. Et ma Bible dit, c'est cette puissance-là qui agit envers nous qui croyons. Cette puissance sera constatée dans ta vie. Tu es là pour humilier le diable. Je t'annonce, il sera humilié dans ta famille. Humilié dans ton école. Humilié dans ton travail. C'est la race des témoins. Acclame Dieu pour les témoins. Acclame Dieu pour les témoins.
Si c'est toi le témoin, acclame-le. Acclame-le. Il y a des gens qui seront connus pour être une terreur, un cauchemar pour les esprits de peur. Tu n'auras plus jamais peur. C'est la peur qui aura peur de toi. Hein? Tiens, c'est ça que tu veux. Mais tu n'as pas envie d'être quelqu'un qui va à l'église de manière religieuse. Et puis quand tu sors, tu as les mêmes cauchemars, tu as les mêmes voix qui te harcèlent. Personne ne t'aime. Tu es nul. Tu vas échouer. Quoi? Vois, viens, viens, viens. Tu disais quoi? Tu es nul. C'est la dernière fois qu'on t'entendra. Je relâche cette grâce de l'audace. Tiens, si c'est à toi que la parole est en train d'être envoyée, acclame Jésus. Acclame Jésus. Parlez tous. C'est ça la vie que tu veux. Donc, je dis qu'il y a une contradiction. Je suis juste mon introduction, miséricorde. Il y a une contradiction. Il y a à l'intérieur de nous le désir de vivre cette vie. Et malheureusement pour beaucoup, il y a aussi le désir. Donc, il y a le désir de vivre la vie que Dieu a réservée pour moi. Mais il y a aussi un désir de garder un peu la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que dans cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas là que j'ai envie d'être. Mais il y a quand même quelques habitudes. Mon petit confort, métro, boulot, dodo. Moi, mon, mi, mes, mamie, ma mère. Il y a mes petits conforts au quotidien. Je mange 3 fois par jour. Je dors 8 heures. C'est important, 8 heures de sommeil. Les médecins ont dit que vraiment, si tu dors moins de 8 heures par jour, tu comprends, tu peux avoir des problèmes, des maux de tête, des migraines, et c'est sûrement. Et sûrement, si tu vas voir le médecin et que tu as mal à la tête, il va dire, c'est ça, vous ne dormez pas assez. Et vous, madame, monsieur, c'est 3 repas. Oui, mais je jeûne. Non, 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 monsieur. Vous mettez votre santé en danger, là. C'est 3 repas. Donc, il y a un désir de vivre la vie que tu m'as réservée. Mais en même temps, je veux bien vivre. Je veux bien garder des commodités de ma vie présente. Mon train-train quotidien. Mes habitudes de vie. Est-ce que quelqu'un est là? Non, en gros, on aimerait vivre une nouvelle vie. Celle que Dieu m'a réservée en Christ. Et puis garder ma vie actuelle. Ma mentalité actuelle, mes habitudes actuelles. Or, en vérité, c'est simplement impossible. Parce que même le monde autour de toi t'enseigne que quelqu'un qui veut vivre une nouvelle vie, une nouvelle dimension, doit renoncer à sa vie actuelle. Si tu ne me crois pas, demande à tous les sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau te diront que si tu veux vivre la vie du sportif de haut niveau, où on remporte des médailles, où on gagne des victoires, tu vas devoir renoncer à cette vie de confort. Je mange chocolat, matin, Nutella, matin, midi, soir. Un sportif de haut niveau sait que ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses qu'il aime, mais il est obligé de souffrir, de renoncer pour embrasser. Il est obligé d'accepter de perdre pour gagner, de renoncer afin de retrouver. Tout le monde le sait. Même les étudiants qui excellent à l'école. Pas quelqu'un ici. Je parle des étudiants qui excellent, qui sont des majors de promo, qui sont des cerveaux de tête. Et ça sera, ils seront des multitudes d'impact sans chrétien. Même les étudiants d'élite savent qu'ils ne peuvent pas faire la fête comme tout le monde. Manger comme tout le monde. S'amuser comme tout le monde. On n'interdit pas les réseaux sociaux. Celui qui a interdit les réseaux sociaux, j'ai compris qu'il perd son temps parce que le monde a changé. Mais on peut au moins réguler. Si tu ne crois pas, regarde tous les gens dont la lumière brille. Tous les gens qui écrivent l'histoire.
Ils n'ont même pas obligé d'être, ils sont pas obligés d'être croyants. Mais tous ont dû se résoudre en vue de ce qu'ils voulaient comme vie. Ils ont dû se résoudre à faire l'enterrement de leur vie actuelle, de la vie qu'ils avaient. Ils ont dû dire, je ne peux pas aller, je ne peux pas être un sportif de haut niveau et puis aller comme tout le monde, en boîte de nuit, tous les soirs, tous les week-ends. J'ai match, je ne peux pas, j'ai entraînement. Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard. Je suis obligé de sacrifier la culture du retard, sinon je me fais virer de mon club. Alors c'est comme ça que des gens tout le temps en retard finissent par adopter la culture de la ponctualité. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment la ponctualité, mais parce qu'ils sont obligés à un moment donné de s'asseoir, de faire une équation. Ils ont une vie qu'ils veulent gagner et ils ont une vie dans laquelle ils sont. Et quand tu veux gagner cette vie-là, que tu veux gagner, tu dois ajuster ton système de pensée, sinon tu te fais virer. Alors, en vue de ce qui leur est réservé, en vue de ce qu'ils voient à l'intérieur d'eux, ils acceptent. Mais c'est une souffrance pour l'âme. C'est une souffrance pour l'âme de renoncer aux boîtes de nuit, de renoncer aux plaisirs mondains, de renoncer à manger comme ils voulaient, n'importe quoi. C'est une souffrance. Mais à cause de ce qu'ils voient dans leur esprit, ils sont obligés de dire, je suis désolé, j'aimais bien ça, mais je suis obligé de lâcher ça à cause de la vie. On ne peut pas vivre les deux vies en même temps, non. Mon ami, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi, pasteur Ivan? Le prix à payer, c'est perdre ta vie présente. Mais il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent vivre la vie de l'onction. Là où Dieu m'utilise puissamment. À travers ma voix, les cœurs brisés sont restaurés. À travers ma bouche, à travers mes mains, les malades sont guéris. Les cœurs brisés sont guéris. Les prisonniers sont envoyés libres. La grâce de Dieu est déployée. À travers le vase que je suis, le Saint-Esprit, l'onction vient et fait la différence. Mais il y a une génération de chrétiens qui veulent que Dieu les utilise puissamment. Oh Seigneur, sers-toi de moi. Oui, tu dis Amen, et je suis d'accord. Mais en même temps, qui ne réalise pas que la dimension à laquelle tu aspires exige de perdre ta vie, de perdre ton confort, de perdre tes habitudes, de perdre quelques heures de sommeil, de perdre trois repas par jour, pas tout le temps, pas tout le temps. Mais il y a des moments où il faut rentrer dans les lieux secrets. Et le moment où tu dois te fâcher, tu apprends que telle personne que tu connais est malade. Oui, c'est bien, tu as la culture de « Oh, pasteur, priez pour moi. » Mais Dieu a envie que toi aussi tu ailles dans le lieu secret. Parce que c'est le même Dieu. Et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire, Dieu n'a pas de favori. La même manière dont tu lis cet homme que tu vois là, il veut se servir aussi de toi. Alors qu'est-ce que tu fais si les gens que tu espères, que tu appelles à l'aide pour prier, pour le malade, pour l'oppressé, le tourmenté que tu connais, qu'est-ce que tu fais si ces gens-là ne sont pas disponibles? Dieu attend de toi. C'est là que tu vois, tu dois prendre la nourriture en horreur. Parce qu'il y a des situations qui doivent tellement te frustrer. Tu dois renoncer au premier repas, au deuxième repas. Tu dois rentrer dans le secret, tu dis, ah non Seigneur. Oh non, Abba Père. C'est ça que Dieu attend de toi. Tu vas devoir perdre. Tu ne peux pas gagner sans perdre, mais à une génération. Dieu m'a dit, qui ne veut pas perdre? Tu veux garder tes mêmes mauvaises habitudes. 4 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. T'imagines un peu le temps que tu aurais pu passer. Si tu avais pris les 3 heures, tu avais laissé 1 heure pour les RS. Et tu avais consacré les 2 autres heures à l'instruction, à la prière en esprit. Parler. Et tu baignes dans une atmosphère d'adoration. Ou alors tu écoutes des CD audio. Tu lis des livres en version papier ou en version audio. Tu les écoutes. Tu prends le temps de t'instruire. À la fin de la journée, tu aurais déjà grandi. Tu aurais augmenté ta capacité. Tu aurais donné à Dieu. Il y a une chose que j'ai découvert et qui m'a... Il y a une chose que j'ai découvert et qui m'a choqué, c'est de réaliser que Dieu, en fait, j'ai découvert qu'il y a ce que Dieu donne
et puis à ce que toi tu reçois. Et j'ai découvert que Dieu, en vérité, quand on demande, Dieu donne. Mais j'ai découvert que ce n'est pas parce que Dieu donne que nous on reçoit. Alors j'ai découvert dans la vie que ce n'est pas ce que tu pries que tu reçois. Ce n'est pas ce pourquoi tu jeûnes que tu reçois. Et j'ai découvert que ce que tu reçois, même quand Dieu a donné, il a fait sa part. J'ai découvert que ce que tu réceptionnes dans la vie, c'est ce que tu es capable d'accommoder selon ta capacité. Alors j'ai découvert que ma capacité peut me disqualifier. Ma capacité peut m'empêcher de recevoir ce que je veux recevoir alors que Dieu a donné. Voilà pourquoi je dois investir du temps pour augmenter ma capacité. Je dois investir du temps pour apprendre, écouter des enseignements, poser des questions aux gens qui réussissent dans leur domaine. Comment tu réussis? Mais quand tu poses des questions pour savoir comment les autres réussissent, tu es en train déjà d'apprendre. Tu rentres dans l'apprentissage. Et chaque fois que tu apprends, tu augmentes ta capacité. Et j'ai découvert que je dois augmenter ma capacité. Je t'ai déjà dit, quelqu'un qui prie 6 heures dans la journée, même s'il prie pour toi, tant que tu restes à une heure de prière par jour, il y aura no power. Tu n'as pas de puissance. Le gars, il habite la présence de Dieu. Le gars, c'est une centrale nucléaire. Le gars, quand il prend le micro, quand il parle, tu sens une audace. Et tu penses qu'il suffit de t'imposer la main pour que toi tu manifestes cette audace. C'est impossible. Tu dois augmenter la capacité. Tu dois passer de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures. Paraketus abana. Ah, maribatus kabara. Mais pasteur, comment on fait pour prier? Je vous annonce, hein, je vais vous mettre bientôt sur internet des loops de 4 heures, de 3 heures. Les loops de 1 heure, ça s'arrête. On va passer à 2 heures, à 3 heures. Pourquoi? Comme ça, tu sais, parce qu'il y en a, comme ils n'arrivent pas à prier. Alors, même moi hier soir, je me sentais fatigué. Et tu sais, et d'ailleurs, je suis revenu de Londres. On est arrivé à 4 heures du matin. Et pour ne pas dormir au volant, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis Nathanaël Bruno. J'ai mis une heure de musique instrumentale. Mais cette musique-là me parlait. Et Makato. Et puis pendant que la maison, Rakato Bara. Alors pendant une heure et demie, j'ai conduit sans, alors que j'étais fatigué. Hein, et j'étais au volant. Tout le monde dormait. Et je sentais le feu, la présence qui m'envahissait. Au volant, hein, la présence qui m'envahissait. Impossible de dormir, mon frère. Les gars, en même temps que je prie, je suis en train de baliser le chemin. Et monsieur le poids lourd, dégage de ma route. Hein. Et toi, poids lourd, là, quitte-la. Et que ton barakatou s'accapare. Je t'assure, t'exposer à un son te permet de prier plus longtemps. Le don de Dieu, j'arrive pas à prier longtemps, c'est parce que tu n'as pas de son. Si au bout d'une demi-heure, tu te sens fatigué, mets Ivan Castanou TV et puis connecte à des sons qui vont t'aider à prier. Mande raketou s'accapare. Mande. Oh, mais est-ce que quelqu'un me suit? Oh. La semaine dernière, on a fini. Non, je garde la surprise. Para. Je viens de faire 3 fois une heure d'adoration prophétique avec une atmosphère de feu en anglais. Ibroto, Manto, pareil, Sia, Para, Yala. Tu vois, volume 1, volume 2, volume 3. Il y a une présence quand tu vas écouter ça là. J'ai hâte d'écouter, de voir les anglophones comment ils vont réagir. Ils vont dire, oh mon Dieu, what's happening here? What's happening? Paris aussi qu'à parler. Oh, ma dégâteau para. Nous allons dans l'anglophonie. Nous allons dans l'anglophonie. Oh, nous allons dans. Je n'aime pas ton attitude. 3 fois, 1 heure prophétique. Avec une présence, tu vas voir quand tu vas écouter. Le feu paraît quand tout ça. Oh, quelqu'un dit amen pour moi. Mais quand tu t'exposes à cette atmosphère, tu es en train d'augmenter ta capacité de prier. Tu vas devoir apprendre à prier plus. 30 minutes au soleil, ce n'est pas 4 heures. Mais comment on fait pour prier 4 heures? On va t'aider. Je vais te connecter à un son. Le son là, c'est comme du truc que tu mets, le feu qui te prend. Ta langue, regarde, il la ibara. Un moment, tu adores, ma. Et puis après, abara. Quand on dit, ah, tu vas écouter. De toutes les manières, la plupart des chansons que tu écoutes, c'est en anglais. C'est pour ça que j'ai mis ça en anglais. Toi aussi, tu vas écouter. Augmente la capacité.
Il y a un prix à payer. Il faut renoncer. Il faut perdre pour gagner. On a une génération de chrétiens qui veut l'onction, l'onction, l'onction. Tu es prêt à perdre quoi? Tu es prêt à perdre quoi? Perdre les habitudes. Tu dois accepter de perdre les faux raisonnements. Perdre les excuses. Je suis en retard à l'église parce que vraiment, ce n'était pas évident. C'est ce qu'on appelle des excuses, des faux raisonnements. Mais au boulot, je suis à l'heure. Et quand tu sais que tu ne vas pas être à l'heure au boulot, oh, que tu stresses déjà. Mais quand tu sais que tu ne vas pas être à l'heure à l'église, tu prends ton temps. On a tout le temps. Je vais te dire une chose. Dieu te connaît. Dieu sait. Tu vois, tu dis, j'ai soif. À l'église, tu dis, parce que la vie dont je te parle, la vie que Dieu a réservée pour toi, tu dois avoir soif. Tu dis amen. Peut-être tu penses que la soif, c'est chanter. Ça s'arrête au chant. J'ai soif de toi. J'ai soif. Oh Père, j'ai soif. C'est vrai que ça commence par la mélodie. J'ai soif de toi. Réveille. Oh, réveille ton feu. Réveille-moi. Réveille mon homme intérieur. Ne me laisse pas dans ma misère, je t'en supplie. Il faut soupirer, il faut implorer. Pour vivre cette vie-là, il faut supplier. Vous savez, il y a trois niveaux à l'école de l'esprit. Dis avec moi trois. Il y a le niveau du demander et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. C'est le même Saint-Esprit. C'est comme dans ta vie, quand tu es un bébé, dès que tu fais miaou, tu n'as même pas fini le miaou que tout de suite on te met le bébé dans la bouche. Pouf! Instantanément. Et le problème, c'est que quand tu acceptes Jésus comme ça, tu as l'impression que vraiment, oh Dieu est bon, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a secouru. J'avais un problème et puis pouf, il s'est passé un miracle. Formidable, goudjou. Formidable petit bébé. Formidable. Mais laisse-moi te dire une chose. Il va arriver à un moment de ta vie chrétienne. Si tu veux continuer, tu penses que tu vas continuer. Dès que j'invoque, il me répond. Oh non, je t'annonce qu'il y a un moment donné où Dieu maintenant attend de toi que tu quittes la phase de demander et vous recevrez pour rentrer dans la phase de chercher et vous trouverez. Chercher, c'est un peu plus compliqué parce que tu fouilles partout. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches des clés, tu cherches des principes, tu cherches des réponses, tu cherches des réponses, tu cherches des solutions. Et quand on cherche, alors là, par contre, hier, quand tu as prié la première fois, Dieu t'a répondu. Mais je t'annonce qu'il y a des moments que tu es déjà en train de connaître où tu fais les mêmes prières qu'avant, mais Dieu ne répond pas. Il ne répond plus. C'est pas qu'il est plus Dieu, c'est pas qu'il a changé, mais c'est qu'il attend maintenant que tu montes le niveau, que tu quittes la phase où je demandais et je viens de recevoir. Ah non, monte un peu bébé, monte un peu mon enfant, élève ton niveau. Tu ne peux pas garder l'attitude des enfants. Il attend de toi maintenant que tu sois un peu plus consistant. Et quand tu dis j'ai soif à marée, j'ai soif feu de toi. Il dit continue, je t'entends chanter. Mais tu comprends, Dieu sait aussi qu'il est écrit dans sa parole que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors Dieu pèse les gens. Il pèse. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis j'ai soif là? Parce que Dieu veut te donner la vie que tu réclames. Mais pour ça, il faut la soif. Sauf que la soif, c'est pas que chanter. Parce que Dieu te connaît. Il t'a vu hier. Quand tu ne le connaissais pas, il a vu à quoi ressemblait ta soif. Il a pesé ton endurance. Il a pesé ta détermination. Hier, il a vu la diligence. Comment tu t'es arrangé pour être à l'heure au travail, à l'école. Tu as peur d'être sanctionné. Il l'a vu. Ah, tu n'as pas appelé ça la soif, mais c'était le désir.
Le désir d'avoir de bonnes notes, le désir d'être bien vu par le prof, le désir d'être bien vu par le patron, c'était la même chose, c'est la soif. Alors il voit ton désir. Ah ok, maintenant je sais que quand tu as le désir de plaire à ton patron, quand tu as le désir de réussir à l'école, je vois que tu es capable d'arriver même en avance aux entretiens. Mais comment tu expliques que quand c'est pour arriver à l'église, au culte, tu es bras ballants, c'est au moment où le culte commence que tu finis le maquillage. Seigneur, vraiment, je n'ai pas pu faire mieux aujourd'hui. Mais j'arrive à l'église pour dire, j'ai soif. Oh, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Alors, tout le monde est en train de faire la même prière. Tout le monde est en train de donner le même Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en train de circuler dans les cœurs. Il est en train de sonder les cœurs. Et puis, il dit, lui, consistant, parce qu'elle est arrivée à l'heure. Et pendant qu'elle était en trajet, en route, il était en train de gémir. Oh, parle-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Et parle à aussi. Mais à quelqu'un qui marchait bras ballant tranquille, pas de soucis, la vie va bien. Et puis il arrive à l'église, il chante la même chanson que ses voisins. Mais le trône dit ce qu'ils ont dit à propos de dans Daniel chapitre 5, Daniel 5 au verset 25, au verset 25 à 27, le ciel dit, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication des mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Oh, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il y a des gens, Dieu compte. Et puis quand il voit la nonchalance qui continue, il voit la légèreté qui continue. Et il y a une voix qui sort du trône. C'est la voix du Père qui demande, mais pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Il faut l'arracher. Il fait quoi sur la terre? Je l'ai envoyé pour être un témoin. Je l'ai envoyé pour être un sauveur. Je l'ai envoyé pour être un messager. Mais sa vie, elle le passe. Il le passe. Donc, moi, mi, ma. Ils s'en fichent des âmes. Ils s'en fichent de mon fardeau. Je vais le garder sur terre. Pourquoi? Et un jour, la personne est atteinte d'une tumeur. La personne est atteinte d'une maladie grave. Ou la personne simplement est fauchée par un accident. Et nous, on dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'était un frère. Il allait à l'église. Mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Je ne dis pas que tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est ça la conséquence. Mais je dis simplement qu'on ne sait rien. Alors oui, on va intercéder. Oui, on va prier. Mais il y a des gens, Dieu guérit parce qu'il en a besoin. Il dit pas maintenant. Satan, quitte, pas maintenant. Pas maintenant. J'en ai besoin comme témoin. J'ai besoin parce que j'ai vu son cœur. Il a le désir de témoigner. Je la vois, je oser parler de moi. Non, maladie. Oh non, dégage. Tu ne peux pas l'emporter. Mais Anna, je suis chez moi devant mon salon, mon téléphone portable, mon confort personnel, en train de vivre ma vie, mes conversations mondaines. Alors, copine, on dit quoi? Oh, Mago, oh, mon gars, oh, ah, on dit quoi? Alors, là, je me dis, il n'y a rien pour Dieu, il n'y a tout que pour toi. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. On n'arrive pas à tout expliquer. Pourquoi certaines personnes, Dieu a agi, d'autres n'ont pas, Dieu n'a pas agi. Je ne dis pas que c'est ça la raison exclusive. Mais je dis une chose, c'est que quand un jour, j'ai prié pour une sœur. Elle avait un cancer. Et puis, Dieu a fait grâce. Bon, elle a commencé la chimio. Ça allait mieux. Mais elle avait un problème avec la haine, l'amertume, la culture de l'offense, de la haine. Et on l'a supplié, maman, il faut lâcher le cœur, il faut libérer les gens, il faut libérer, il faut pardonner. Maman, Marie, encore fait ça. Mes enfants, mais j'ai dit, maman, il faut pardonner seulement. Pardonne. Elle allait mieux. Elle est partie en voyage. Et en voyage, elle passait sans toi à s'énerver. Je dis, calme-toi. Pardonne. Laisse le cœur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Tu vas mieux, garde ton cœur. Quelques semaines plus tard, le cancer qui était en rémission réapparaît de manière foudroyante. Et là, on commence à prier avec Maman Maud. On implore la miséricorde de Dieu. Et là, pour l'une des rares fois de ma vie, j'entends la voix qui me dit, arrête de prier pour elle. Je dis, Seigneur. Il dit, arrête de prier. Je dis, comment ça? Il me dit, de son vivant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vivait pour elle. Combien de fois ne lui ai-je pas donné des avertissements? Combien de fois ne lui ai-je pas parlé? Combien de fois ne lui ai-je pas dit garde ton cœur? Combien de fois ne lui ai-je pas dit pardonne? Alors tu veux que je la guérisse? Pourquoi?
Elle va servir à quoi? J'ai dit, où? Alors j'ai dit à maman Maud, et j'ai un autre de mes pasteurs qui est avec moi, arrêtez de prier. Elle partira. Elle partira. Quelques jours après, elle est partie. Est-ce que tu es utile pour Dieu? Nous, on aime juger de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas. Oh Seigneur, ce n'est pas juste. Mais c'est quoi ton utilité? Pourquoi tu vas rester là? Pourquoi je vais garder? Pourquoi je vais supporter ça? Comptez, comptez. Verset 27, il dit, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ça veut dire que pendant nous tous qui chantons là, pendant qu'on chantait tous, le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il pèse les cœurs. Il pèse les motivations. Tout le monde dit j'ai soif. Mais Dieu qui te connaît, il sait. Tant que tu n'as pas appliqué le même zèle que tu avais, je te l'ai dit la semaine dernière, tu passais des conversations jusqu'à 3 heures du matin au téléphone. Jusqu'à 3 heures, tu parlais 3 heures, 4 heures d'affilée. Et tu dis à Dieu, j'ai soif, je veux l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Mais à une heure de prière, tu dis, Seigneur, j'ai soif, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, non? Regarde, j'ai levé les mains, regarde. J'ai même prié en langue. Makotosie, parinoumari, ou kamanasie, oh, paraka. Tu dis, monte encore. Là où tu es, c'est léger, monte encore. Ne trouvera pas tant que tu ne montes pas. C'est pas que Dieu a disparu. C'est qu'il t'appelle à monter le niveau parce qu'il sait que tu l'honores des lèvres. Il sait que tu parles des lèvres. C'est pas ça la soif. Tu as déjà prouvé toi-même ce que tu entendais par la soif et Dieu l'a vu. Il sait pour toi c'est quoi la soif. Alors je te donne un conseil pratique. La soif, c'est pas chanter. C'est plus que ça. Il m'a dit, j'ai entendu une phrase ce matin. Où est-ce que je l'ai noté? Il m'a dit, et avec moi, il lui a dit, oh, n'économise pas ton énergie pour Dieu lorsque tu serais prêt à la dépenser pour le monde. Ne fais pas moins pour Dieu lorsque pour le monde. Tu es prêt à faire plus. Tu viens d'envoyer un message à Dieu. Et le ciel dit, comptez, comptez, pesez, léger. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ton confort. Tu ne veux pas perdre tes habitudes. Tu veux tout garder. Mais en même temps avoir l'onction. En même temps manifester la puissance de Dieu. Alors tu penses que la puissance va se manifester lorsque tu auras reçu 10 impositions de main de 10 personnes différentes. C'est pour ça que tu vas de lieu en lieu, cherchant des mains à poser sur ta tête. Ça ne produira rien. Tu prouves que tu n'as pas soif. Dieu a vu. Il y a une jeune fille, pour avoir le copain, désespérée, elle est partie faire une offrande de 1000 euros. Sur TikTok, à des devins, pour avoir la chance d'avoir l'attention de ce copain pour que ce copain ne la quitte pas. Et la personne a bien pris son argent, hein, parce qu'au final, le gars l'a lâché. Mais elle est quand même allée faire des sacrifices. 1000 euros tu as donné pour consulter des praticiens des sciences occultes. Et quand c'est Dieu, c'est tout ce que j'ai. 50 euros, Seigneur. Mon offrande d'action de grâce, mon offrande de connexion. Mais à part ça, j'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Le ciel te regarde. Il dit, mené, mené, quelqu'un. Comptez, comptez, pesez, léger. C'est la même chanson. Mais Dieu sait chez qui cette chanson est authentique. Il y a des dimensions en Dieu.
qui sont disponibles, mais qui exigent de perdre. Tu ne rencontreras personne que tu as distingué qui n'a pas accepté de perdre. Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il continue au verset 45. Le royaume des cieux est encore, c'est la même chose, mais il te donne deux anecdotes pour te dire la même chose, encore semblable. Un marchand de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Appelez le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre. Il a accepté de se débarrasser. Il a accepté de renoncer. Il a accepté de perdre ce qu'il avait et il a acheté. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Il a trouvé la perle de grand prix. Il a fait comme Paul. Paul a dit. Il a dit dans Philippiens 3, verset 7. Il a dit dans Philippiens 3, verset 7. Verset 7. Verset 7 d'abord. Verset 7. Le verset d'avant. Ces choses. Mais ces choses qui étaient pour moi. Non, il fallait mettre la bloc, c'est pas grave. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, avec nous, NBS, Nouvelle Bible Seconde. Il dit, en fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité, à cause de la supériorité de la connaissance. Oui, on y va. De Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mais j'aime bien la version, lui, la version King James, elle est mieux traduite. Parce que la version King James, il dit, au verset 8, il dit I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. J'aime bien parce qu'il dit, pour qui j'ai souffert la perte de tout. Ça veut dire que ça fait mal à mon âme, mais j'accepte de souffrir ça afin de gagner. Ainsi je connaîtrai Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. J'accepte de souffrir. C'est une souffrance de renoncer, c'est une souffrance d'abandonner, oui. Mais j'accepte. L'athlète accepte. L'entrepreneur qui veut réussir son entreprise accepte. Il ne peut pas passer longtemps dans les réseaux sociaux. Il y a un projet qui doit. Il y a une création de richesse qui doit sortir. Alors il passe moins de temps que toi. Pourquoi? Parce qu'il doit perdre. Il doit perdre afin de gagner. L'Esprit m'a dit, parmi nous, il y a une multitude. Tu n'as pas la haine de ta vie actuelle. Mais tu veux embrasser la vie que Dieu t'a réservée. Non. Voilà pourquoi dans ma prière tous les jours, pour que ça ne soit pas dur, parce que tu as du mal à te débarrasser, tu as du mal à renoncer. Tu sais pourquoi tu as du mal à renoncer à ta vie? Parce que tu ne la traduis pas en prière. Donc tu as du mal à te séparer de ces choses-là. Elles sont inutiles. Voilà pourquoi tu as du mal à renoncer. Si tu veux y arriver, demande-lui la grâce de haïr. Fais-moi haïr. Oh, fais-moi haïr. Haïr ma vie. Accorde-moi la grâce d'haïr. Haïr. Fais-moi haïr. Haïr. Fais-moi détester ma vie afin d'embrasser ta vie, la vie de résurrection. Accorde-moi la grâce de haïr le monde et les choses qui sont dans le monde, car il est écrit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Fais-moi haïr le monde et être conquis par l'amour du Père afin de ne pas être un adultère aux yeux de Dieu, je t'en prie. Accorde-moi la grâce de t'aimer, de haïr
mourir ma propre vie et de vivre ta vie. Oh, la vie de résurrection, la vie de plénitude, la vie d'impact, la vie de puissance, la vie d'autorité. Accorde-moi. Si tu le traduis en prière, alors ça sera plus simple pour toi. Mais mets ça dans tes prières. Au lieu de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître mon mari, de connaître ma femme, de connaître le succès. Laisse ça. Demande-lui. 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 Parakoto sapare. Oh, à ma père, je veux haïr ma propre vie, te la livrer et me revêtir de ta vie à toi. Ah, la vie, power, la vie de résurrection. Tu ne trouveras personne qui opère dans la dimension d'Esprit Saint et de puissance et qui a gardé sa vie. C'est impossible. Tu dois à un moment donné prendre rendez-vous avec toi-même et faire une équation. Sur la main gauche, je mets ma vie actuelle. Qu'est-ce qu'elle me rapporte? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie actuelle? Dis-moi, il y a quoi de bon? Il y a quoi dans ta vie actuelle d'aujourd'hui? Il y a quoi? Fais, sois honnête avec toi-même. Dis-moi ce qu'il y a de bon. Dis-moi ce qu'il y a de véritable. Dis-moi ce qu'il y a de durable. Dis-moi ce qu'il y a de consistant. Dans ta vie d'aujourd'hui, il y a quoi de bon? Il y a quoi de consistant? Il y a quoi? Maintenant, mets sur l'autre main la vie que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ, qu'on appelle l'héritage, la vie de puissance, la vie de résurrection, la vie de témoignage, la vie d'impact, la vie où ta lumière brille. Mets les deux sur la balance, mets les deux sur la balance et dis-moi, tu gardes ta vie d'aujourd'hui, pourquoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Oh, il y a mon petit copain, il y a des relations, oh, il y a ma dépression, oh, il y a mes trois repas par jour. C'est ça ta vie d'aujourd'hui. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce comme Paul de renoncer à moi-même. Ces choses qui sont pour moi un gain. C'est ça que tu appelles gain aujourd'hui. Paul a dit ces choses que j'appelle gain aujourd'hui. Je les regarde aujourd'hui comme de la perte à cause. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de la supériorité, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour qui j'ai accepté de souffrir la perte de tout afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non pas par ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais ma justice de la foi. Et il continue à dire en disant, ainsi je le connaîtrai, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah, ma père, oh, je suis prêt, accorde-moi la grâce de haïr cette vie, mais d'aimer ta vie. C'est ça, c'est pour celle-là que le sang de Jésus a coulé. C'est la vie où on n'est plus une victime des circonstances, des flèches qui volent de la nuit, des terreurs de la nuit, des sortilèges, des incantations, des envoûtements. Non, on opère depuis le troisième ciel. On est une personne de la présence de Dieu. On est investi de puissance et ma voix a du poids. Ce n'est pas un accident et ce n'est pas une question de favoritisme. La question, c'est quel prix es-tu à payer? Quel prix es-tu à payer? Je parlais avec une de mes filles dimanche dernier. Il dit, tu étais où lundi? Dimanche, tu étais où? C'est juste pour édification. En fait, on était à une soirée, un mariage, et puis on est rentré tard, la nuit de samedi à dimanche. Donc dimanche matin, on est rentré tard à la maison. C'est pour ça qu'on est resté regarder le culte en direct. J'ai dit, waouh, je peux te décrire, je peux te promettre une chose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras pas la présence. Tu n'auras pas ce dont je parle. Pourquoi? Moi, à qui tu parles, je me couche, ma femme est là, à 1 heure, parfois 2 heures. Je me réveille à 5 heures. Parfois, je me couche à 1 heure. Je me réveille à 3 heures. Je dors 3 heures. Je me tiens dans la présence. Toi, tu vas faire la fête. Mais moi, le samedi, je prie au moins 5 heures, au moins 6 heures. Oui, au moins 6 heures dans la présence. Tu vois, tu dis, j'aimerais, moi aussi, quand je parle, que les cœurs soient embrasés. Mais est-ce que tu connais le nombre d'heures qu'on avale, qu'on passe dans la présence, en train de soupirer après Dieu? Mais non, tu as prié 1 heure, tu as donné ton message, et tu es sur tes notes, du début à la fin. Et puis, à la fin de le message, il ne s'est rien passé. Personne n'a eu envie de connaître Dieu. Personne n'a envie de s'agenouiller. Pourquoi? Tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une question de message, c'est une question de présence et d'onction. Oh kapara, et toke para, isekato para. Pala tout ça, pala. Moi, si je vais à une soirée, même si je rentre à 4 heures du matin, tu me verras à 10 heures à l'église. Pourquoi? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je ne peux pas rester connecté si je peux venir en présentiel. Je ne peux pas. Et quand Dieu voit ce genre de détermination, ce genre de résolution, ce genre de passion pour lui, c'est plus qu'un chant.
Alors, quand tu dis, Seigneur, je t'en supplie, embrase-moi. Tu dis, je t'embrasse. Tu en prends ça. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont embrasés. Et puis, ils vont à la dimension supérieure pour manifester la vie. Laisse-moi te dire une chose. J'ai écouté un prédicateur hier, avant-hier, qui parlait de l'élasticité de l'esprit. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable d'accomplir. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire de toi. Le problème, c'est l'élasticité de ton esprit. Tu ne l'as pas étiré parce que tu es dans le confort. Tu ne peux pas changer de vie. Tu veux faire des petits amendements, mais tu ne veux pas une transformation. Voilà, tu peux prier ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'impression de main que tu veux. Il n'y a rien qui changera. Il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. C'est le prix de perdre pour gagner. Pas, oh, palia, seketo, para, matesia, eketo, para, ibrate, seke, parago, maïlila, malise, malo de belaro. S'accaparé. Mando, l'esprit, je finis en te disant une chose que l'esprit m'a dit de te dire. Mon frère, il y a des dimensions supérieures que tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée. C'est parce que tu habites dans un corps. Alors tu as tendance à te voir avec ton corps, les limitations de ton corps. Mais tu n'es pas un corps, tu habites dans un corps, mais tu es un esprit. Et l'esprit n'a pas de limite. En vérité, ce que j'essaie de te dire, c'est que tout ce que tu as la capacité de devenir et d'accomplir, tu n'as pas idée. Mais tout est stocké dans ton esprit. Mais ton esprit n'a pas été étiré. Il n'y a rien qui sortirait de toi. Ce dont je te parle, annonce la vie que Dieu t'a réservée. Le problème, c'est que tu es attaché, lié dans ta vie présente. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il y a des relations qui sont bonnes, d'autres qui sont inutiles. Est-ce que tu acceptes de les perdre? Tu veux tout garder? Garde. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux à côté de toi qui ont décidé de perdre, d'accepter de perdre. Ils sont contents de perdre parce qu'ils ont pesé sur la balance. Et Dieu m'a dit de te dire, Église, écoute-moi. 1 Corinthiens, je finis avec ça. 2, au verset 9, il est écrit. Mais comme le déclare l'Écriture, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que, tu connais la version du second, mais garde la version semeur, la version français de vie, français courant plutôt. La version du semeur dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit veut les révéler. Mais la version français courant, il dit ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu. Il y a des choses qui sont dans le domaine de l'esprit, que l'esprit veut faire sortir par toi et de toi. Quelles choses? Des choses que nul homme n'a jamais vues. Il y a des solutions, des inventions, des idées, des projets, des produits que tu veux faire sortir de toi qu'on n'a jamais vu. Et des choses, il y a des sons qu'on n'a jamais entendu, qui doivent sortir de toi. Mais ces sons sont où? Ils sont dans le troisième ciel. Ils sont dans les hauteurs de l'esprit. Il faut monter dans les dimensions de l'esprit. Il faut être un homme de l'esprit. Quand on est un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, on devient capable de voir des choses qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vu dans notre époque et dans notre génération. On devient capable d'entendre des sons. On entend des sons, des révélations, des directives, des solutions, des remèdes, des chansons. Oh, je vous en supplie, les chants d'impact chrétien, toutes les églises, s'il vous plaît, l'esprit, je vous supplie par les compassions de Christ. Vous savez, il y a des gens dans la Bible. Tu sais que aujourd'hui, actuellement là, si tu ouvres ton transistor, ta radio, tu vas entendre des sons. Il y a des sons. Le problème, c'est que il y a des gens qui montent dans les hauteurs et puis ils entendent des sons qui viennent de l'esprit et puis ils les font descendre dans la sphère terrestre et puis ils les mettent maintenant dans des livres, ils les mettent dans des produits, ils les mettent dans des chansons, ils les mettent. Et puis quand tu écoutes ces sons-là, tu dis waouh, para, ça te donne envie de briller. Mais pourquoi toi tu n'accèdes pas dans ces hauteurs? Pourquoi toi tu n'accèdes pas pour aller piquer aussi des sons, piquer aussi des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas entendues, des chansons qu'on n'a pas entendues? Arrêtez de nous sortir des chansons. Faites-nous sortir des chansons qu'on a entendues Parce que quand on a entendu, on sait. Je vais te dire à quoi on sait. Ce n'est pas une question de mélodie compliquée. Ce n'est pas une question de complexité d'un chant. Mais il y a des chants. C'est simple.
Mais quand on entend, on dit, mon Dieu, ce chant est chargé. Pourquoi? C'est un son qu'on a entendu lorsqu'on a accepté de perdre sa vie et de se sacrifier et de gagner. Et en gagnant Christ, il nous a amenés dans les hauteurs. Il nous avait montés dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, on entend des révélations. Pourquoi est-ce que tu entends du pasteur Ivan des nouveaux enseignements chaque dimanche? Et pourquoi toi? Alors dis-moi, je pose une question. Qu'est-ce qui sort de nouveau de toi? Qu'est-ce qui sort de toi qui a été sorti du lieu secret? Parce que quand ça sort du lieu secret, je t'assure, ce n'est pas naturel. Ça émet quelque chose. On sait ce qui vient du trône. On sait ce qui vient de Dieu. On le sait. On le sent. Les gens sont touchés. Les cœurs sont foudroyés. Les solutions sont géniales. Mais ça vient d'en haut. Il m'a dit de te dire, il y a des choses. 1 Corinthiens 2, au verset 9, il dit, il y a des choses. Ce à quoi nul homme n'a jamais pensé. Il y a des choses auxquelles, ne te dis pas que tout existe, non, il y a des choses auxquelles nul homme n'a jamais pensé. Ces choses sont accessibles pour les hommes et les femmes de l'esprit, les hommes et les femmes qui vont dans les hauteurs avec Dieu. Ils accèdent à des choses auxquelles personne n'a jamais pensé, mais toi tu dois y penser. Pour y penser, tu dois simplement travailler l'élasticité de ton esprit et atteindre des dimensions qui exige de renoncer, de perdre ta vie présente afin de gagner Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. À ma Père, emmène-nous dans cette dimension. Qu'est-ce qui sort de toi? Alors Église, qu'est-ce qu'on fait nous? On passe notre temps à consommer des produits enfantés par des gens qui sont montés, qui ont capté et qui ont ramené sur la terre. C'est ça. Alors on est content de chanter. Hey, ya, ya. Hey. Tout le monde chante. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey. Mais tu sais, un chant comme ça, tout le monde le prend. Parce qu'il a été capté par quelqu'un qui est monté. Ce n'est pas une question de plusieurs paroles. Non, il y a des sons. Mets-moi mon son à moi. Nous ne désirons que toi. Hey, ya, ya, ce n'est pas moi. Para. Nous ne désirons que toi. Oh, Paraclé. Je l'ai capté. Où que je le mette. Parlez tout ça, Bara. Oh, tu n'as pas besoin d'être un chanteur, un artiste connu. Non, mon frère, il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des chanteurs. Et puis il y a les hommes et les femmes de la présence. Il y a les ingénieurs, et puis il y a les ingénieurs de la présence. Il y a les architectes, et les architectes de la présence. Il y a les médecins, et les médecins de la présence. Oh, Abba Père, pas opérer, élève la voix là où tu es. Humilie-toi, Abba Père. Je veux payer le prix. J'accepte de payer le prix, de perdre afin de gagner Christ. Ma crête aussi que para. Ulima lima ratos que melela. Ma crête aussi meleye. Nous ne désirons que toi. Au-delà de ma chant. Au chez un paraclé. Barocoto s'accapare, ma débra tout ça va, et ton para, et c'est que ton père est là-bas, ratosia. Oh, à ma paix. Fais de moi une personne qui perd sa vie afin de gagner la vie de résurrection, qui quitte son présent afin d'embraser son futur. Il y a une vie d'autorité, il y a une vie de power. Il y a une vie extraordinaire qui t'attend. Mais tu dois accepter de perdre. Ne me laisse pas où je suis, non, non. Emmène-moi dans tes hauteurs. Oh, emmène-moi dans tes profondeurs. Ne me laisse pas superficiel. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qu'on n'a jamais vues sur la terre. Dieu veut les enfanter à travers toi. Est-ce que tu es prêt? Le meilleur n'a pas encore été vu. Non, il y a des choses qu'on capte dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit, dans les hauteurs de l'esprit. Élève le niveau, augmente ta capacité, augmente ta soif, augmente ton honneur, augmente ta révérence. Sors des faux raisonnements, sors des excuses, sors. Tu dois haïr l'ordinaire, tu dois haïr le banal, tu dois haïr le niveau où tu es. Tu ne peux pas embrasser la dimension que Dieu t'a préparée si tu es content de là où tu es. Non,
Non, non, non, non, non. Makoto zeke para e kapara disa kapare. Aïli mare. Nous ne désirons que toi. Sarararararori. Nous ne désirons que toi. Tu vois, ça c'est un soin qui était entendu par quelqu'un dans les hauteurs. Je crie à toi. Regarde, tu vois. Il dit pas, il n'y a pas besoin de mettre des chansons compliquées. Il n'y a pas besoin de sons compliqués. Les choses qui viennent d'en haut. Ah, Abba Père, amène mon frère, amène-nous, amène-nous. Amène-nous, amène-nous. Ah. 30 secondes de soupir, 30 secondes de soupir, 30 secondes de soupir. Demande à Dieu la grâce de haïr ta vie, la grâce d'embrasser sa vie. Demande à Dieu la grâce de quitter, de haïr ce niveau. Élève la voix, demande-lui, ne me laisse pas à ce niveau. Ce n'est pas pour moi. Avec ces maladies, ces afflictions, ces peurs, ces oppressions. Non, il y a une dimension qu'on appelle la plénitude de l'amour. La paix, la joie, l'audace, la foi, la bonté, l'humilité, la bienveillance. Il y a une dimension de puissance et d'autorité qui sont accessibles. Si tu acceptes de perdre pour gagner, ah, parlez aussi péré. Élève le niveau église. Para. Qui décide? Qui est-ce qui décide de payer le prix? Qui décide de payer le prix? Je sors de l'âge, je sors du banal, je sors de l'ordinaire, je sors de l'insignifiance, je sors de la routine, je sors de la barre de la religion, je sors. Il y a une vie, il y a la vie de résurrection, il y a la vie de puissance, il y a la vie d'amour, il y a la vie de plénitude, il y a la vie d'autorité, il y a la vie de faveur, il y a la vie de grâce, il y a la prospérité à tous égards. À ma Père, j'accepte de perdre, j'accepte de t'honorer, j'accepte de te prendre au sérieux. Quand je serai pesé, accorde-moi la grâce d'être trouvé, pas léger, mais solide, consistant. Accorde-moi la grâce d'augmenter ma capacité de devenir un homme et une femme de la présence de Dieu. Paraya, ebara, esekebara, isokebara, etekebare, tsayala, imakuse, ah! Marquez 12e, amène l'église, un vaccin chrétien, amène l'église, le corps de Christ, amène-nous au niveau supérieur, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les fréquences de l'esprit, fais-nous changer de fréquence, ah, Madocea. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues, il y a des choses que l'homme auquel il n'a jamais pensé. À ma Père, fais-nous enfanter. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit. À ma Père, à ma Père, son ami du banal, du statu quo, de la routine, tu ne peux pas. Vivre les deux vies, c'est impossible. Tu dois perdre une afin de gagner l'autre. Accorde-moi la grâce de perdre ma vie afin de gagner Christ. Ah, para, essaya, para, essaya, para, et para, tu sais, ma, et les copains. Il y a une autre vie. Il y a une vie meilleure que la drogue. Il y a une vie meilleure que la dépression. Il y a une vie meilleure que les pensées de suicide, que le rejet. On appelle la vie de résurrection, la vie de Dieu, la plénitude de la divinité. Mais tu dois accepter de perdre ta vie et de lui donner ta vie, de lui demander, fais-moi haïr ma propre vie. Je veux aimer ta vie, je t'en supplie. Je veux faire sortir de ma vie, je veux faire sortir de moi ces choses que l'œil n'a pas vues, ces choses que les oreilles n'ont jamais entendu parler, dont les oreilles n'ont jamais entendu parler, ces choses que aucun homme n'a jamais pensé à ça. Oh, à ma Père, tu veux dire que je suis une personne capable de concevoir des choses auxquelles aucun homme n'a jamais pensé. Il m'a dit oui, mais c'est où? C'est dans les hauteurs de l'esprit, c'est dans les hauteurs de l'esprit, c'est dans les hauteurs de l'esprit, c'est dans les hauteurs, c'est dans les hauteurs. Monte, 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 monte dans les hauteurs, monte dans les hauteurs. Para, sake para, y pare, sakatope, lui m'a décidé.
Séparer ton Zabara Dumé. Oh God, oh God, oh God. Aïe, Baratosia. Alors, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais ce que tu dois faire. Endommage, casse ce que tu dois casser, brise ce que tu dois briser. Mais délivre-moi de cette vie misérable. Délivre-moi de cette vie de limitation. Délivre-moi de cette vie de maladie. Délivre-moi de cette vie de souffrance. Délivre-moi de cette vie de peur, d'échec, d'émotion, de confusion. Emmène-moi à la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, du revêtement d'Esprit Saint et de power. Oh, pas, il te parlera. Saya, Saya, et Raketasia, Mato Pretesia, à partir d'aujourd'hui. Je m'engage à ma père à ne pas, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Non, 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 non. Je ne commettrai pas la folie de dire le monde je donne plus, mais à toi je donne moins. Non, à partir d'aujourd'hui, je ferai le contraire. Pour toi, je donnerai tout afin de gagner Christ. Oh, que ces choses qui étaient pour moi un gain deviennent comme une perte au nom de Jésus. Et même, accorde-moi la grâce de regarder toutes choses comme une perte à cause de la supériorité, de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pas et pas, il t'opera et ce qui te fera. Oh God. Si elle est malade. Alors lève la main. Si c'est ta prière, je vais demander au Père de relâcher, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je sais que mon temps est débordé, je vous demande pardon. Mais ce dépôt devait être téléchargé. Cette parole devait être envoyée. Ha! Paradoxe, Dieu veut te faire monter à une dimension que tu ne connais pas. Je vais te dire une chose, tu n'as même pas idée. Tu penses connaître, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a en toi. Tu n'as aucune idée des capacités, des trésors, du potentiel, de l'élasticité de ton esprit. Tu n'as aucune idée. Le problème, c'est que tu n'as pas décidé de perdre ta vie actuelle. Lève la main. Père, pardonne-nous. Nous avons chanté. Mais lorsque tu nous as pesés, beaucoup d'entre nous en a été trouvés légers, superficiels, honorant Dieu des lèvres, mais le cœur éloigné de toi. Mais au plus profond de nous, Père, nous voulons cette vie. Nous réclamons cette vie. La vie Zoé Aionios, la vie de Dieu, la vie de la puissance, la vie de l'onction, la vie de l'autorité, la vie de la gloire, la vie de la romance et la communion avec l'Esprit, où on sort du tâtonnement, la vie où on est conduit par le GPS divin, on n'est plus conduit de manière approximative par Pikmin douce, par en douce. Non, on entend une voix et on marche sur cette parole et on voit la pêche miraculeuse. Ça, c'est la vie que tu nous as réservée, c'est la vie que tu as démontrée, Seigneur Jésus. Délivre-nous de là où nous sommes. Ces mains levées sont un appel à toi pour que tu pardonnes nos péchés, nos légèretés. Nous avons donné plus au monde qu'à toi. Nous avons, pour les richesses du monde, nous avons payé un prix lourd pour le travail, le boulot, le mariage, les faveurs des hommes. Mais pour les richesses durables, spirituelles et véritables, nous avons voulu un Dieu bon marché, une onction à bas prix, une gloire à bas prix. C'est une abomination. Nous te demandons pardon pour notre folie. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes au niveau où nous sommes et nous ne te connaissons pas. Et ça se voit que nous ne te manifestons pas. Abba Père, pardonne-nous. Quelqu'un est en train de lever la main maintenant. Abba Père, nous te demandons pardon. Cette main levée est un message envoyé à toi pour te demander pardon. Cette main levée est un cri envoyé à Dieu pour implorer grâce et miséricorde, afin que par ta puissance, tu souffles sur quelqu'un et qu'une puissance vienne le soulever, la soulever, pour la catapulter comme une flèche au cœur de la dimension que tu as réservée pour lui ou pour elle. À toi, à ma Père, souffle de ton esprit et qu'un homme intérieur prenne feu
que des chaînes brûlent. Est-ce que tu ne vas pas planter, soit arraché des témoignages. Que des maladies quittent des corps, des douleurs quittent instantanément, des démons sortent des corps, des cœurs meurtris par la vie, soient instantanément guéris. À toi, confirme ta parole. 1, 2, 3. Souffle ton esprit, souffle ton esprit. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cet embrasement, reçois cet embrasement. Ton esprit est en train de prendre feu. Tu es comme dans une cocotte minute. Tu es immergé comme dans une fournaise. Reçois cette grâce. La main du glorieux Saint-Esprit vient t'embraser. Il te met dans une fournaise. Je vois une fournaise de feu, une fournaise de feu. Elle vient t'embraser, elle vient t'embraser, elle vient t'envelopper. Ah, elle vient te faire haïr ta vie actuelle et te rendre capable d'embrasser la vie que Dieu t'a réservée. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. C'est la vie de la santé divine. C'est la vie de la guérison, c'est la vie de la bénédiction, c'est la vie de la prospérité à tous égards, c'est la vie de la joie indescriptible et pleine de gloire, c'est la vie de l'amour qui surpasse toute connaissance. Cet amour pénètre ton cœur, il foudroie ton cœur au nom de Jésus. Maintenant élève la voix pendant 15 secondes et rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce. Ah, Malégotosia. Rebarrete se que para Madera tose Parihadea Parotisea. Il y a un prix pour l'onction. Ah, il y a un prix pour l'onction. Oh, le prix c'est la perte. Acceptez de perdre afin de gagner. Ah, tu vas gagner qui? Tu vas gagner Christ. Oh, Abba Père, merci pour ta grâce relâchée. Merci pour ta main étendue. Merci pour des cœurs embrasés, des esprits embrasés. Merci pour les malades guéris, les mal de dos guéris, les malformations guéries, les maladies de nerfs guéries, les maladies du foie guéries. Merci pour les reins guéris, la prostate guérie, les seins guéris, les boules guéries. Tout ce que tu n'as pas planté, meurt dans ces corps au nom de Jésus. Abba Père, nous te rendons grâce parce que c'est au nom de Jésus le Christ que nous avons parlé, nous avons annoncé ta parole et tu la confirmes ce matin. Au nom de Jésus le Christ, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas obligé, mais s'il t'a fait du bien, t'en déclamerons son honneur. Marato se prevegeto sapara. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bien-aimé, avant de clôturer ce culte, je ne peux pas le clôturer sans te donner l'opportunité de dire oui à Jésus ce matin. Dire oui à Jésus, ce n'est pas dire oui à ICC. Un pacte sans chrétien. Dire oui à Jésus, ce n'est pas dire oui à une religion. Dire oui à Jésus, c'est dire oui à une vie nouvelle. Après, il faut la vivre. Mais si tu n'as pas dit oui à Jésus, tu ne lui as pas donné ton cœur. Cette vie n'est pas accessible. Il veut te la donner ce matin. Alors, si tu veux la recevoir, incline la tête avec moi. Je vais t'inviter à faire une prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Donne-moi ta vie. Fais-moi haïr cette vie et embrasser ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est simple comme une prière. Maintenant, écoute-moi. Si tu l'as faite pour la première fois, là où tu es, prends tes affaires et viens devant. Parce qu'il est important de recevoir, confesser Jésus publiquement afin qu'il te reconnaisse aussi publiquement. Et ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, même si tu es la seule personne ici, le ciel sera content à cause de toi.
Les anges vont faire la fête à cause de toi. Depuis la mezzanine jusqu'en bas, qui est cette personne qui veut donner sa vie à Jésus? Et pendant qu'on t'encourage par des acclamations, on l'encourage. Prends la décision aujourd'hui. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle vie. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle vie. On acclame Jésus pour les encourager. Seigneur, merci pour ta main sur cet homme, sur cette femme qui n'a pas honte de toi et qui a décidé de se lever publiquement. Prends tes affaires rapidement. ICC, est-ce que tu es en train de les encourager? Father, we thank you, we bless you. Seigneur, merci pour ta main que tu étends sur ces bien-aimés. Merci pour tes grâces, la grâce de te connaître, de t'aimer et de marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Sachez que quand vous avez fait cette prière-là, si vous la faites avec un cœur sincère, Jésus est rentré dans vos vies. Une nouvelle vie a commencé pour vous. Laissez-nous vous aider, comme on nous a aidé nous aussi, vous prendre par la main, comme on nous a pris par la main. On va prendre vos coordonnées et je vous assure que si vous nous laissez vous aider, dans moins de 3 mois, vous êtes méconnaissables. Et vous allez devenir le plus gros sujet de dépression de l'enfer. Amen. Et toi qui es connecté au son de ma voix, en présentiel ou connecté, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi que je te supplie. Imite-nous. Quand tu peux être en présentiel, ne dis pas « aujourd'hui je reste à la maison pour me reposer ». Tu viens d'envoyer un message à Dieu. Il faut être violent, spirituel, pour s'emparer de la dimension dont je parle. Que Dieu te fasse grâce de comprendre ce message. Et toi qui m'as écouté, je te supplie de le liker afin de donner et de le partager sur tes statuts. Aujourd'hui, dimanche, partage-le. Des multitudes ont besoin d'entendre ce message. Seigneur, merci pour ta main sur ces bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, que la couverture qui est sur nous vienne sur eux pour les protéger, pour te révéler à eux au nom de Jésus. Amen. Je vous demande de bien vouloir suivre notre équipe de conseillers. Ils sont sur ma gauche. Ils sont gentils, souriants, bienveillants. Et ils vont prendre soin de vous. Oh, ICC, je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Mieux que ça. Waouh. Amen. Alors, veuillez vous asseoir dans sa présence. Bon, alors, je vous fais une confession. Si vous êtes la première fois, si c'est votre première fois à Impact Centre Chrétien, je reconnais qu'aujourd'hui, le pasteur a vraiment débordé sur le temps, mais ce n'est pas moi. C'est le zèle de sa maison qui m'a dévoré. Et puis, il y avait une parole qui devait être relâchée. Et je sais qu'elle vous a fait du bien. Et généralement, quand les gens viennent à ICC, ils disent, je n'ai pas vu le temps passer. C'est vrai. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, si vous êtes là pour la première fois à Impact Centre Chrétien, if you are here for the first time in ICC, c'est occupé la prima volta, veuillez vous lever parce qu'on aime accueillir nos invités à ICC, à Impact Centre Chrétien. Donc, où que vous soyez, si c'est votre première fois ici, veuillez vous tenir debout afin qu'on puisse bénir Dieu pour vous. If this is your first time in ICC, please stand on your feet so we can welcome you and praise God for your life. Amen. Alors, on a un chant spécial chanté spécialement pour vous. Alors, ICC, on va se lever et accueillir nos invités dans la présence de Dieu. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC, make some noise. Où ça? On y va, ICC! Bienvenue. Tu ne le dis pas assez fort. Non. 1, 2, 3, on y va! Seigneur, nous apprenons nos frères et sœurs venus dans ta maison. On y va, ICC family! Are you ready? 1, 2, 3, 4! À gauche, à droite, bénis, Seigneur, tu vois, si je suis
connecté. Bénis-nous. Pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton peuple en ce lieu. Pour te louer, t'adorer, te célébrer. Bénis-nous. Bénis-nous. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Non, je veux bien voir ta main si Dieu t'a parlé. Dis avec moi, ma vie change. Au nom de Jésus. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Oui. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Waouh. Seigneur, nous te remercions. Te remercions parce que Jésus était encore bon et compatissant pour nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Père, nous avons une pensée pour ceux qui sont éprouvés. Console ceux qui ont le cœur brisé. Et tends ta main. Fais une œuvre qu'aucun homme ne peut faire à travers le consolateur. Merci pour les témoignages de vie transformée, de cœur embrasé, de corps guéri. Nous ne sortirons pas de ce culte comme nous sommes rentrés. Un esprit, une personne a été plongée dans une fournaise. Et cette fournaise parlera tout au long de la semaine. Tu auras en horreur ce que tu aimais. Ces choses qui étaient un gain, tu vas désormais les voir comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance, de l'expérience de Christ. Bienvenue dans la vie que Dieu t'a réservée. Abba Père. Nous prions alors que nous recommandons chaque jour de cette semaine, alors que nous recommandons nos 24 heures de prière du mercredi soir 21h à jeudi 21h, alors que nous recommandons notre veillée de prière, alors que nous recommandons nos programmes de la semaine. Abba Père, étends ta main sur nous. Quiconque est alité dans un lit d'hôpital, dans le lit de l'affliction, ou à la maison, ou ici, atteint d'une tumeur, que cette tumeur meure à la racine au nom de Jésus. Que les organes abîmés, défectueux, quand quelqu'un met la main sur son corps, dans les secondes qui suivent, là tout de suite, Abba Père, guéri par les meurtrissures de Jésus. Que ce que tu n'as pas planté soit arraché de ses corps. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire à toi, Jésus. Et nous te rendons l'honneur à toi, Saint-Esprit. Ne nous laisse plus te prendre pour acquis. Ne nous laisse plus t'honorer des lèvres seulement, avec un cœur éloigné de toi. S'il te plaît, Père, fais-nous grâce d'honorer l'esprit. Et ça commence dès le dimanche suivant par un changement de comportement. Je ne serai pas en retard à l'église alors que je suis à l'heure au travail ou à l'école. Non. Je vais montrer que je t'honore. Et quand je serai pesé, je ne serai plus trouvé léger. Je serai trouvé profond et consistant. Et si c'est à toi que je parle, laisse-moi te dire une chose. En t'ajustant ainsi, tu es qualifié pour la dimension des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre expérience.
dès maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen, amen, amen.